Que me tiene mal, una belleza que me quema. Cuando vaya la nota. Bah oh, mais c'est quoi ce chemin là? 15 jours n'a pas commencé. On va bien. Y algo en ti que me tiene mal, una belleza que me quema. Bon, de base, on devait longer toute la côte là-bas. Mais Mao en a décidé autrement, en effet. Cuando vaya la nota me estalla, mami, que más. C'est un retour sur la terre ferme. Car nous n'avons pas trouvé de chemin. On est arrivé au bout, j'en fais plus. Dis où on est, Mao. De l'autre côté. On est encore à Saint-Brieuc là. De l'autre côté. Ouais, ouais. Il est 13h36 et je vous annonce que nous sommes arrivés à Effignac. On est actuellement dans un petit jardin très coloré. Parce qu'on a demandé à remplir nos gourdes puisque la maison de l'abbé est fermée. Et c'est mission réussie, donc on a atterri dans un magnifique jardin super coloré. Et regardez la vue. La toilette s'appelle l'épicerie de Saint-Guimond. Il est 17h30, il doit nous rester une dizaine de kilomètres à peu près. Lui, il a gazé, il nous avait passé il y a 3 minutes, il a déjà fait tout ça quoi. Il faut doser là, monsieur. Toujours la même qu'on attend. Non. Comment ça, je mens? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, les gens? Hein? Tous tes followers. C'est une pause pipi improvisée. Vous avez l'honneur de regarder cette petite butte qui nous sert d'endroit pour faire pipi. Et enfin presque, arrivé à Port-Morvan. Après la dernière étape, c'est Pléneuve-Val-André, mais ça veut dire qu'il ne nous reste pas grand chose à marcher et qu'on a carrément surestimé notre parcours. Et on est bien arrivé au port de Dawet. C'est la fin de cette première journée. C'est... J'en peux plus. Ça fait du bien. Ça y est. C'est le bonheur là. Il est 20h25. Ce soir on profite d'un lit. La seule fois dans notre périple. Donc on va en profiter. Et je vais vous annoncer que j'ai des cloques. Non, moi aussi je veux pas regarder. Elle est énorme. Et du coup, aujourd'hui, nous avons fait 26,72 km avec grande difficulté. Oui, je rigole, non, c'est un repas ultra cool. Une sauce tomate au basilic, des petites tomates fraîches, une mozzarella di bufala. Bon appétit! Bon appétit, toi. On va y aller demain! Demain, si on se lève pas. Je sais que c'est ça. La mozzarella di bufala. Elle était périmée. On marche comme des canards. Ah oui, non mais on a fait qu'une journée là. On va faire le tri parce qu'il y a trop d'affaires dans ce sac, trop de poids. Ce matin je l'ai pesé, il faisait 10,8 kg. On enlève du Marc Lévy, on l'ira à Rennes. Ça on enlève, on trouvera de la bouffe de toute façon. Ah oui, tu as plusieurs. Allez, 220 grammes en moins. C'est un peu lourd hein. Non, ça c'est lourd. Un pantalon pas de def. Pas de pantalon, pas de def pendant l'expédition. Ressenti du jour numéro 1. Vas-y. On est dans la merde. Le parcours, ça allait. On a fait un peu stop aujourd'hui, comme vous avez pu le voir.
Mais ça fait aussi partie de l'aventure et de l'improvisation totale dans laquelle on s'est lancé. Non, non, mais c'est interdit des carrés forfaits. Pas le premier jour, Mao. Et moi, je suis morte de fatigue. J'ai toujours ma cloque. Un plaisir. Et j'ai des courbatures. Oh, ya, ya. C'est trop dur. Alors qu'on a fait que un jour, Mao. Bon, et bah, à tout à l'heure. On va aller se préparer avec Mao. Et normalement, on a un départ à 8h45. Enfin. Non, c'est mort. Comment ça, c'est mort? Mais Mao, on se rendort pas là, hein. Non, non, mais. Moi, je pars avec ça, les gars, c'est-à-dire qu'on part pas aujourd'hui, là. Je vais te réveiller, Mao. Bon, on a bien dormi. C'était notre seul lit de l'aventure. Aujourd'hui, on a mangé chaud. Ce soir, on mangera certainement froid. Le sac est un peu lourd. On s'est répartis et pour l'instant, nos sacs font 7,7 kg chacun. Moi, un peu plus, je pense. Jour 2, objectif de base, Cafriel. Mais on va peut-être revoir les objectifs. C'est quoi ton petit-déj, Mao? Pomme pote à la framboise. Pomme pote à la framboise. Ouais. On part sur une pomme et un petit beurre. Petit beurre bien breton. Donc là, on se dirige en direction de la route. Là, on hésite entre marché et stop parce qu'on est à 1 heure de Pléneuf. À peu près. Non, mais viens, on joue à la route. Une voiture. Ouais. Ah, bah, quoi? Ils partent. Bon, on a voyagé avec Michel et Suzanne, un couple de retraités qui habitent à Saint-Alban. Ils étaient super mignons, ils se sont arrêtés, ils étaient trop mignons. Petit déjeuner. On a fait les mafelsi, c'est fini. Non. Pas pour nous les mafelsi. Non, on a eu deux. Ah, ce serait bien un melon. Oui, non. On voulait prendre un melon, mais c'est très lourd. Et surtout, on n'a pas de couteau. Il est 10h du matin. Et ça, c'est notre vue. C'est incroyable. On est juste à la sortie de Pléneuf, là on reprend le sentier des douaniers. Bon, on est actuellement encore à Pléneuf, il doit être 10h30 à peu près. Et on est retourné dans la civilisation, c'est les aléas de l'improvisation, c'est que du coup bah on prend un chemin au hasard mais on ne finit pas forcément sur le GR. Il est 10h38, on est retourné dans les chemins, on a croisé personne, c'est super calme par ici. On peut prendre la plage, moi je veux prendre le GR34. Du coup on va faire un Shifumi. Je vais faire tout le temps. Shifumi, Shifumi, Shifumi. Bon bah du coup on marche sur la plage, on abandonne notre GR34. On a croisé des randonneurs avec Mao qui nous ont dit que c'était juste pas ambitieux, c'était juste pas impossible d'arriver au Cafriel parce que... Ils nous ont lynché sur nos sacs. Oui, ils nous ont défoncé sur nos sacs parce que... Bah parce qu'on n'est pas équipés tout simplement. Bien arrivé à Erki, il est midi, pratiquement 13h je crois. On est bien arrivé et on voit de loin d'où on est parti ce matin vers 10h. Et on a plutôt bien avancé. Bon, mange quoi? Un sandwich ou un sandwich?
Bah, montre l'étagère des sandwichs. Ouais, 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 j'ai la loose. J'ai trop la loose. There is a lot of choices. Poulet rôti. Il est 13h20. On a fait 12 km. On est allé se rassasier dans un petit carrefour, quelque chose de très très gastronomique. C'est plus dur qu'hier. Plus dur qu'hier, ouais, largement. On a un peu mal au dos parce qu'on a des sacs qui sont pas adaptés et c'est vrai que ça commence à nous peser un petit peu. On vient de finir de manger, j'ai encore faim donc je retourne m'acheter une petite douceur et ressenti à J+2, enfin même pas, on est même pas à la moitié. En vrai c'est dur. Il est 14h, on va reprendre la route avec Mao. On va aller jusqu'aux hôpitaux, poser notre tente. À 15h10, on est arrivé à l'endroit où on allait dormir, donc ça va être notre camp pour la nuit avec Mao qui déclare parfait. Moi aussi, je sais pas ce que je fais debout. Et je vais vous montrer la vue, c'est magnifique. Voilà notre vue, et là, juste derrière, il y a la mer. Macloc, faut qu'on lui trouve un nom. Tu penses quoi de Swazik? Non, Ludivine. Ludivine, ok. Et ben Macloc s'appelle Ludivine. Bon, du coup, on a monté la tente. Ça, c'est notre tente. Et ça, c'est la vue. Bon, il est 15h30. On a fait 16,5. Oui, il est 15h30. On a fait 16,5 km. Donc, ce qui est plutôt cool. Et Mao est actuellement en train de nous concocter un sac à dos à l'aide d'une serviette. Collection été-hiver 2023. Serviette microfibre, fil de pêche. Décathlon. Ah, sponsor Décathlon par contre. Hein. Montre Mao, fais pas la timide. Alors là, l'ouverture adéquate, très facile. On referme. Bon, ça ne tombera pas. On croise les doigts. Du coup, 23 km à 18h. On a bien avancé, on a fait peu de stops aujourd'hui. Donc c'est trop cool. Je suis actuellement en train d'enlever mes chaussures et de mettre mes pieds à l'air. Je crois qu'il n'y a pas meilleure sensation après une journée de rando. Si, dormir aussi. Les gens sont en train de me juger dès que je parle à mon téléphone. C'est la vie de vlogueur. Bye bye. Oh non, j'ai peut-être enlevé mon... Ah non. Non, c'est bon, j'ai encore le pansement. Voilà, on a dit que c'était comment le prénom? Ludivine. Oui. Ludivine. Allez protéger Ludivine, je crois. Qui était en deux doches, non? En deux doches, en deux chevaux, rouge. Elle était adorable. Une dame toute blonde. Une dame chic, quoi, avec son petit bouquet de fleurs. Passager, il y avait un panier en osier rempli de roses. Il est 22h09. On a fait 26,2 km aujourd'hui. On a mangé, on vous a pas montré parce que nos téléphones étaient en train de charger. Mais on a mangé des raviolis végé froides qui étaient super bonnes, ma foi. Et avant d'aller dormir, skincare routine, qui n'est pas une skincare routine parce que je n'en ai pas, mais lavage de dents et puis débarbouillage. Je crois que vous entendez les gris-gris.
C'est incroyable. J2 incroyable, très fatigant. Les poids des sacs sont très lourds, enfin trop lourds. Donc c'est un peu difficile. Mais du coup là, on a fait jusqu'ici... Sachant qu'hier, on a fait 27 km au final. Donc on a fait jusqu'ici 33 km. Non, 53, pardon. Et c'est plutôt cool. On est vachement contente. L'expérience est dingue. Ça fait du bien de se déconnecter. J2 fini, premier dodo en tente. Ressenti du jour 2, Mao. Je laisse parler, je suis plus de force. Bonne nuit. T'as pas dit combien de kilomètres on a fait? Ah, si, je leur ai dit. Tu veux que je redise? T'étais ouais. Pas là. Aujourd'hui, on a fait 26,2 kilomètres. Il est 8h15 et on a super mal dormi. On n'a pas dormi. Ta solution de dormir comme ça. Putain, elle a raison. Mais t'es que j'ai dormi comme ça parce que j'avais froid. Update, oui, du coup, j'ai froid. J'ai hésité parce que je suis allée à l'intérieur et je me suis dit. Non, je te rêve, non, je peux pas prendre mon tapis et m'installer à l'intérieur, c'est pas possible. Non mais elle, la meuf elle allait m'abandonner dans la tente. Je me suis dit non, je peux pas la laisser dormir toute seule. Non mais n'importe quoi, oh. On s'apprête à partir avec Mao. Et il fait pas très beau aujourd'hui, donc c'est un peu moins cool. On espère juste qu'on aura pas de pluie parce qu'on a pas d'imperméable pour les sacs. Siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé. Si tú lo sientes también, no me importa a mí lo que dice la gente. Porque tú siempre la prendes, candela. Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena. La mano pegada y los pies en la arena. Pase lo que pase, baby, vale la pena. Ay, y yo te doy todo de mí. Hay mujeres de todo pa' mí. Juro que yo hago. 11h06, on a fait 4,5 km. Et là, actuellement, on passe par la forêt parce que les carrières sont inaccessibles. Donc, ce qui fait qu'on passe par la forêt. Et c'est plutôt pas mal parce qu'après 15 minutes auprès des voitures qui roulent à 80, un petit havre de paix, c'est pas plus mal. Et niveau douleur, et bien écoutez, ça va plutôt bien. Enfin, il y a des douleurs, mais on va dire que le mental prend le dessus. Bon, on est actuellement parmi les pins et les chênes. Et on continue notre périple jusqu'à Fréhel. Apparemment, on n'est pas bien loin. Moi, je n'ai pas accès. C'est Mao qui a quand même un petit peu de connexion. Donc, elle sait à peu près où on va. Moi, pas du tout. Bon, du coup, il y avait marqué sur le panneau qu'on est à 2h15 du cap Fréhel. On va aller poser nos affaires à Fréhel. Chez des amis à nous, dans leur jardin, comme hier. Donc on fait pas réellement du bivouac, mais le principal c'est quand même qu'on dorme en tente. Aujourd'hui on ressent la fatigue, on bavarde un peu moins, on avance un peu plus. Ça y est, le bruit des voitures laisse place à la nature. C'est beaucoup plus paisible, c'est tout vert. Et bientôt, on va rejoindre le long du GR34 côté mer. Et on va abandonner un peu la forêt.
pour retrouver les paysages des Landes, ce qui, je vous l'avoue, me ravit plutôt. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est Fort-la-Latte, dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, plutôt qu'à Fréhel. En train de marcher, mais vu que le paysage est pas fou et qu'on l'a déjà fait à l'aller, on se dit que du stop serait pas mal, mais impossible d'être pris en stop. Ça fait au moins 15 voitures alors que d'habitude on est pris au bout de la première ou deuxième quoi. C'est peut-être le fait de pas avoir les sacs à dos pleins. Ça y est, j'ai déposé Mao, elle avait mal à la cheville, donc moi je continue à pied, je vais vous montrer mon parcours. Donc du coup là je suis toute seule sur une étape, demain je serai toute seule sur toute l'étape pour faire potentiellement Matignon Saint-Calguildo. Et du coup let's go, petite aventure, et l'avantage c'est que moi j'ai pas trop mal, donc on va pouvoir crapahuter un petit peu plus vite. Du coup là je continue sur le GR. Je suis dans un camping et il y a quand même pas mal d'habitués en vrai sur le camping de tous les campings d'ailleurs de Fréhel et même de la côte. Et pour anecdote, il y a d'ailleurs le camping municipal qui vous sépare généralement le 1er mai. Et il y a des habitués qui viennent au moins la veille pour s'assurer une place et être le plus proche de la mer possible. Et apparemment, c'est un peu la guéguerre tous les ans. Le long du GR, vous allez souvent croiser ça. Et en fait, c'est ce qui vous permet d'indiquer le chemin du GR34. Donc pour s'aider, il faut pas mal les suivre. Après, il y a quelques sigles à apprendre un petit peu entre les différents... Bonjour. Entre les différents signes. Mais ça permet de savoir un peu et de se repérer. On a appris en chemin, mais si vous voulez vous lancer dans l'aventure du GR34, n'hésitez pas à regarder avant. Mais toujours suivre ces petits signes blancs et rouges qui vous indiquent exactement le chemin. Et c'est plutôt cool quand on n'a pas de connexion notamment. J'ai retrouvé Mao qui n'était pas bien loin, qui a fait une petite sieste. J'étais bien. Moi je me suis dégarnie, alors tout à l'heure j'avais 4 couches. C'est vrai que j'ai trop chaud là. J'ai crapahuté. Et là on va aller se baigner les pieds. Ça va faire trop du bien. Je sais pas si vous allez m'entendre à cause du vent, mais il est à peu près 17h et 17 km au compteur. Donc en vrai, on avance bien. Et là, on se dirige vers le Cap Fréhel. We'll be right back.
l'avantage d'être sur le GR34 à 18h30, c'est que tout le monde a déserté, tu croises pas grand monde. Depuis les pâtes périmées, ouais, c'est le premier vrai repas. Oui. Imagine des raviolis chauds. Je crois que c'est vraiment le plat que je déteste et que je mangerai jamais en temps normal. On l'a dévoré. Mais dis ce qu'on a fait, Mao. La gastronomie. La haute gastronomie. On a mis notre petit taboulé dans le reste de la soupe des raviolis. Et franchement, c'est vraiment dans ces moments où t'as rien à manger et que tu te satisfais de peu. Mais c'est ce qu'il y a de meilleur. Le pire, c'est que c'est délicieux. D'ailleurs, on a voyagé avec Mario et Isabelle, des Parisiens qui étaient venus passer le week-end en Bretagne. Les anges. On a réussi à les trouver sur le parking du Cap Fréhel. Et sur le parking, ils nous ont dit « Désolé, on a une petite voiture. » Ils avaient la voiture de mes rêves, une Mini Cooper. Donc, on a voyagé en Mini Cooper sur 10 minutes. Incroyable. Le grand luxe. J'ai tout renversé. Mon Dieu, la maman de Flavie, cet ange. Madame apprend. Ressenti du jour numéro 3. Il est 21h30, on va dire. Oui. Prêt ? Oui. Alors, Mao. 21, oui. Plus dur pour moi parce que je me suis fait mal à la cheville. 20 si on rajoute les 10%. Ouais, j'ai fait que 20 km aujourd'hui. Et mais moi, ça j'ai va. Fait, ouais. Pour quelqu'un qui a fait une nuit blanche, j'ai moins dormi de victoire cette nuit. Et donc, je suis quand même fière de moi. Bah oui, mais bien évidemment. Chacun va son rythme. En plus, t'avais ta blessure. Donc ça va, quoi. T'as envie. Oui. Et c'est fini pour moi. Parce qu'elle m'abandonne. Quand t'es du jour 3, agréablement surprise, on s'habitue à... On s'habitue à la... En vrai, ouais, c'est ça. On s'habitue à la douleur, on s'habitue à l'inconfort. On s'adapte de ouf, genre manger froid, manger des conserves, ne pas se laver. Bonne nuit. Il est 9h15, du coup je suis partie. La maman de Flavie m'a déposée parce qu'elle voulait pas que je marche sur le bord des routes parce que le GR34, il y a des endroits un peu comme hier où il y a la carrière à Erquy qui était fermée. Et du coup, ce qui fait qu'il n'y a plus d'accès, donc on doit repasser par la route. Et j'avoue que c'était assez dangereux. En termes de douleur, ça va plutôt bien. C'est plutôt la fatigue qui parle parce qu'on n'a pas vraiment dormi encore cette nuit. On n'était pas sur l'insomnie, mais on était sur quelques réveils à peu près toutes les heures. Donc bon, c'est déjà mieux que la nuit passée. Mais ce qui est loin d'être reposant. J'ai retrouvé la mer et le GR m'indique par ici, mais il me semble qu'il n'y a pas de chemin à part le long des cailloux. Donc on va aller voir ça. Là on voit aussi qu'il y a le petit cycle du GR. Découvrons ensemble. Le passage des rochers s'est bien déroulé. C'était un peu glissant, mais ça passe. Et là actuellement, je n'ai croisé encore aucun randonneur. Personne.
Il est 13h. J'en suis à 17 km. Il me reste 1,5 km avant la fin. C'est passé tellement vite. I'm stupid for wondering where you are. C'est la fin de ce vlog sur le GR34, j'espère qu'il vous aura plu et à bientôt pour une nouvelle aventure.